Bonsoir, bonsoir tout le monde. Le coup de cœur d'aujourd'hui, la biblio, Libérons nos sourires, de la chronique Psychologie Magazine février 2019, d'Isabelle Crouzet. Après avoir travaillé dans un groupe américain, elle est traductrice spécialisée en psychologie, en particulier pour la collection Parents Plus, rédigée par Isabelle Folisat. Filiosate, La force de sourire est son premier livre. On va parler de la force de sourire, être fort, libérer nos sourires. Il suffit de se pencher sur un berceau ou de scruter le visage d'un être aimé. Pour le savoir, le sourire a quelque chose d'irrésistible qui nous attire et nous donne de la joie parce que deux visages souriants ont brisé le harcèlement et la solitude dont elle était victime à l'école. Isabelle Crouzet a eu la bonne idée de se lancer dans une enquête sur le sujet. Elle part à la rencontre de sociologues, d'historiens ou de neuroscientifiques et nous explique que bien plus que l'activation de quelques muscles, le sourire est un langage aux vertus innombrables. Le plus étonnant, la propension à afficher son sourire sur une photo de jeunesse permet de prédire la capacité au bonheur plus tard. En effet, plus il est intense à 21 ans, expliquons les psychologues, plus l'épanouissement est par la suite élevé. Les neurosciences montrent aussi que le sourire a un effet sur le bien-être en activant en soi les sensations de joie. Notre santé en profite également. Le mythe cardiaque ralentit, le rythme cardiaque ralentit. La pression artérielle baisse, le taux d'hormone du stress diminue, et si nous distribuons des sourires gratuits autour de nous, effet boule de neige garanti. Oui, c'est ça pour notre coup de cœur d'aujourd'hui. Alors, allons-y, libérons-nous nos sourires. Merci, à bientôt, au revoir.